aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre mariage. Et tout ce que tu as fait à plus de une heure du temps, c'est de conduire partout avec moi. Qu'est-ce que c'est censé être? Est-ce censé être une surprise? Hein? Est-ce censé une blague ou quoi? Que se passe-t-il? Et il ne dit rien. Je déteste être traité comme ça. Je déteste être traité comme une merde. Que se passe-t-il? Dis quelque chose! Je t'aime, chérie. Quoi? Tu es malade. Tu es vraiment malade. Tu sais quoi? Arrête cette voiture. Arrête cette voiture. Je ne peux plus supporter cette bêtise. Arrête de conduire. Arrête de conduire. Arrête de conduire, sinon je vais me jeter dehors. Je ne connais pas où. Tu ne connais pas la personne à qui tu t'es mariée. Arrête de conduire ou je me jette dehors. Si quelque chose m'arrive. Qu'est-ce que c'est? Arrête de conduire maintenant. Quel est ton problème? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre mariage et c'est ennuyant. C'est ça mon problème. D'accord, j'ai un plan. Partons quelque part pour régler ces problèmes. Je n'irai nulle part avec toi. Tu m'as écouté? Si tu veux me faire quelque chose, au moins achète-moi un gâteau spécial. Sac, chaînette, talent, tout ce que tu peux acheter. D'accord, partons au supermarché. Toi et qui? Je n'irai nulle part, hein? Va l'acheter et je t'attends ici. Ça devait être une surprise et tu veux que j'aille avec toi au supermarché pour acheter ma propre surprise. Qui l'a déjà fait? Va l'acheter, je t'attends ici où nous allons dormir ici. Si c'est ce que tu veux, nous allons dormir ici. Peux-tu imaginer? Comment pourrais-je apprendre à un homme de surprendre sa femme? Comment? Comment pourrais-je apprendre à me surprendre? Que j'aille avec toi pour m'acheter ma propre surprise. Comment ça sera une surprise? Dis-moi. Alors, que veux-tu que je fasse? Descends et va m'acheter quelque chose. Quelque chose de très spécial. Avant que tu ailles à tes occupations, achète-moi quelque chose d'abord. Tu me conduis partout comme une merde. Je ne te comprends pas. C'est quoi ça? Hein? Si tu veux conduire... Ici, ne te tiens pas là-bas. Prends son sac. Prends ça. Va prendre mon mari dans la voiture. Pourquoi tu veux pas rentrer à l'intérieur? Parce que je pars au travail. Je pensais que tu vas rester avec moi à la maison aujourd'hui. Je ne te comprends pas. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Je dois partir au travail, d'accord? D'ailleurs, j'ai passé du temps avec toi à l'hôpital. C'est pourquoi tu me parles de cette façon? Je peux te parler comme je veux, faire tout ce que je veux. Ferme-moi la portière! Thank you.
tu n'as pas préparé aujourd'hui. J'ai vraiment faim à ce moment. J'ai grave faim. Lloyd, pourquoi es-tu si méchant et égoïste? Je pars au travail chaque jour et je rentre le soir. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu restes là du matin jusqu'au soir. Tu ne peux pas préparer quelque chose pour toi-même. Es-tu si vieux pour préparer ta nourriture? Mais tu sais que je ne peux pas me tenir debout pour longtemps. Alors, faut t'asseoir. Faut t'asseoir. Pourquoi tu aimes toujours m'énerver, Lloyd? Pourquoi? Je ne peux plus rester tranquille dans ma propre maison. Pardon, excuse-moi. Partir au travail, rentrer, je n'ai même pas la tranquillité dans ma propre maison. C'est comme si je ne vais plus rentrer. Tu es sexy, ma chérie. Où sont passées les clés de la voiture? Je pensais que tu me faisais les petits déjeuners. C'est à cause de ça que tu m'appelais? Mais bébé, ce n'est que le jus de fruits que j'ai bu hier. Je vais commander la nourriture pour toi. Où sont les clés de la voiture? Eh, laisse-moi te montrer quelque chose vite fait. Tu ne peux pas attendre jusqu'à ce que je rentre? Bébé, c'est vraiment important, s'il te plaît. Le manager arrive aujourd'hui, d'accord? On se voit tout à l'heure, au revoir. Je vais te commander de quoi manger. Taïe! Madame! Devrais-je t'appeler deux fois? Désolé, madame. J'ai commandé la nourriture pour mon mari. Tu vas aller le prendre à 8h30, d'accord? As-tu déjà lavé la voiture? Allô? Je suis ici depuis. Je n'ai rien vu. D'accord. D'accord. C'est bon. Je pensais que tu étais là-bas déjà. Non, je ne blague pas. Oui. Écoute. Ce devoir à faire à la maison est vraiment important. Si tu le fais correctement, je vais t'acheter une bouteille de jus. Alors, c'est bon? D'accord. Ok, au revoir. Monsieur, monsieur, c'est la nourriture que madame a commandée pour vous. Vous avez besoin de quelque chose d'autre, monsieur? Oui, oui, j'ai besoin que tu remettes ça à quelqu'un qui te guidera dans ta vie. Mets ça dans ta poche tout de suite. Une fille qui s'appelle Faith, elle t'attend à l'entrée principale, d'accord? C'est ce qu'elle attend. Donne-le lui. Afin qu'elle apporte la modification à la lettre que je lui avais déjà envoyée. Mets ça dans ta poche maintenant. Puis-je vous servir votre nourriture? Tu dois transférer ceci au directeur de l'entreprise. C'est pour lui. Tu dois le transférer. Est-ce que tu m'as comprise? Bonjour, madame. Bonjour. C'est sûr, vous êtes le manager. Où est mon bureau? Venez, je vais vous montrer.
Alors, c'est ici votre bureau. Réunis tout le monde dans la salle de conférence avant 8h45. Tu m'as comprise? Oui, madame. Qui est Mouna Ouzo? Je le suis, madame. Combien d'années travailles-tu pour nous? L'année passée, madame. L'année passée? Oui, je voulais travailler ici depuis l'année surpassée, mais j'avais écouté que mon mari travaillait ici plus de 10 ans. Et tu viens d'être promotée dans un autre bureau. Quoi? Nous avons décidé de te promoter dans un autre bureau. Félicitations. Je ne savais pas. Merci beaucoup, moi. Merci. Je vais juste me préparer pour la conférence. Attends, tu as dit que ton mari travaillait ici aussi? Oui, madame, mais il a quitté à cause de son accident. Alors, quand est-ce qu'il va retourner au travail? La semaine prochaine, madame. J'ai demandé parce que je ne serai pas là pour un moment. Je vais rester dans son bureau jusqu'à ce qu'il va retourner. Oui, madame, vous pouvez rester dans son bureau pour le progrès de la campagne. C'est à toi de faire le bon choix. Oui, madame. Et n'oublie pas que l'objectif de cette année est d'avoir 1,7 milliard. Oui, madame, j'atteindrai l'objectif. T'es sûre? Oui. Passe une bonne journée. Merci, madame. Merci. Tu es de retour. Tu as l'air vraiment fatigué. Oui, je le suis. Ma journée était vraiment stressante. J'ai préparé quelque chose pour toi. Je viens juste d'être promoté dans un autre bureau. Qu'en est-il du monsieur Ayou? Cela est censé être une félicitation ou quoi? Je suis désolé, félicitations, mais... Je voulais juste m'assurer que personne s'est senti offensé au bureau. Ça fait 7 ans que M. Ayo travaille là-bas. Je ne suis pas au même niveau, ni grâce que M. Ayo ou autre. Je comprends. Félicitations, chérie. Bébé, tu n'as pas mené mon sac? Va le prendre toi-même. Je suis déjà en retard pour le travail. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu. Bonjour, comment vas-tu? Je vais bien. Pourquoi ma porte est fermée? Madame l'a fermée. Il s'agit de quelle madame? La nouvelle manager. Tu veux dire ma femme?
Ma porte est fermée. Est-ce pas clair? Clair comment? Quelqu'un de chanceux prendra bientôt ta place. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le bureau? Oui. Même quand j'étais malade à l'hôpital, je travaillais toujours pour la compagnie. Comment vous pouvez être méchant comme ça? Monsieur? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Monsieur Ouzo, s'il vous plaît, asseyez-vous. Mouna, est-ce ton mari? Oui, madame. Pourquoi n'as-tu pas pris son poste pour faire partie de ton équipe? Madame, il est incapable. Je veux des nouveaux travailleurs qui seront actifs. La semaine passée, je gagnais 20 millions. Je l'ai gagné par moi-même. Et qu'est-ce que tu veux dire par « je suis incapable »? S'il vous plaît, ne parlez pas beaucoup, s'il vous plaît. Mouna? Oui, madame. Es-tu sûre que tu ne lui veux pas dans ton groupe? Madame, je veux le meilleur dans cette compagnie. Je suis prête à faire tout juste pour l'évolution de cette compagnie. Je ne suis pas prête à avoir un travailleur qui n'a pas le même esprit que moi. Je suis désolée, monsieur Ouzo, mais je ne peux rien y faire. Elle va s'assurer que tu aies des bonus et ton salaire chaque fin du mois. Nous ne pouvons rien faire. Vous êtes libre de partir maintenant. Merci, madame. Sois-en sûr de dire aux sécurités de ne plus permettre à cet homme de mettre ses pieds ici. M'as-tu comprise? D'accord, madame. Si je lui vois encore ici, ça sera sur ta tête. D'accord, madame. Qu'est-ce que tu fais, Mouna? Qu'est-ce exactement tu penses faire? Tu sais, j'ai utilisé tout mon argent pour me soigner. Alors, où veux-tu que j'aille à partir d'ici? Excuse-moi. Lloyd? C'est moi! Oh mon Dieu! Je suis en train de rêver? Non! Tu es sérieuse? Oui, c'est moi! Quand est-ce que tu es revenue? La nuit dernière. Je ne m'attendais pas à te revoir. Et pourquoi marches-tu en ayant l'air impuissant comme ça? Je pars à la maison. Et pourquoi utilises-tu des béquilles? J'avais eu un accident et je suis surpris de te revoir. Laisse-moi venir à ton aide. Laisse-moi t'aider. Non, t'inquiète pas, ça va. Ça va aller. T'es sûr? Je peux partir moi-même.
Bienvenue. Alors, après avoir réfléchi, tu es venu pour conclure? Pourquoi as-tu eu une émotion inutile? Hein? Si tu étais à ma place, tu allais faire pareil. Je sacrifiais ma promotion pour te trouver du travail. Est-ce que tu réalises que c'est à cause de toi que je suis dans cet état? Peux-tu arrêter ces émotions inutiles? Oui, tu as fait à ce que je puisse avoir le travail. N'es-tu pas mon mari? Hein? T'es-je mariée pour être une fille sans emploi? S'il te plaît, excuse-moi. Tout ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle est égoïste et arrogante. Mais comment Lloyd a pu épouser une telle femme? C'est l'amour. L'amour? Je ne pense pas. Je veux dire, si elle est capable de faire ça à son mari, je ne sais pas ce qu'elle pourra faire pour un étranger. En passant, je veux dire, lui offrir une nouvelle voiture et un chauffeur personnel. Penses-tu pas que nous devrions attendre un tout petit peu? Non. Je pense que je vais lui donner ce qu'elle mérite comme étant une nouvelle manager. Tu es sûr? Je peux avoir quelques sommes d'argent, s'il te plaît, parce que je veux payer les tickets pour aller à Port Harcourt. Qu'est-ce qui se passe à Port Harcourt? J'ai causé avec un ami, je lui ai dit de me trouver un travail dans leur compagnie. Tu as parlé à un ami. Alors, tu veux dire à tout le monde que je t'ai viré de la compagnie, c'est ça? Je ne sais de quoi tu parles, je n'ai dit à personne que tu m'as viré. Je n'ai dit à personne ce genre de choses. Ha! Ha! Lloyd! Tu veux que je te donne l'argent que tu ailles à Port Harcourt pour aller visiter ta petite amie, n'est-ce pas? Écoute Lloyd, si tu ne veux pas de moi dans cette maison, dis-moi et je peux partir. Je ne veux pas être infecté d'une maladie quelconque. De quoi parles-tu même? Quoi parles-tu Mona? Tu sais quoi? Nous allons continuer cette discussion quand je serai de retour. Port Harcourt. S'il te plaît, soulève-moi, soulève-moi. Ah! Mon pied, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. Ah, ce côté, ce côté, ce côté. S'il te plaît, soulève-moi, fais-moi asseoir. Ah! Ah! Désolé, monsieur, est-ce que vous avez déjà pris votre produit? Désolé, oh. Hé, Mouna, s'il te plaît, je veux que tu m'amènes à l'hôpital maintenant. Hé, madame, le patron est en train de mourir, oh. Tu dois l'amener à l'hôpital maintenant. Oh. Le patron est en train de mourir. Voilà pourquoi tu m'as pas ouvert le portail. N'es-tu pas censé être là où tu travailles? Dégage d'ici! Patron, désolé. Oh. Tu as laissé mon portail pour être ici. N'importe quoi. S'il te plaît, je t'en supplie. J'ai vraiment mal. Pourquoi es-tu si dramatique? Hein? Tu essaies de me passer pour une mauvaise personne, n'est-ce pas? Ah, chérie, donne-moi la clé, s'il te plaît. Y a pas le carburant de la voiture. Quoi? Bébé, s'il te plaît. S'il te plaît, excuse-moi, j'irai quelque part bientôt. Tête!
téléphone. Monsieur Ouzo, où allez-vous? Je vais à l'hôpital. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? J'ai glissé aux escaliers et j'ai mal partout dans mon corps. Laisse-moi te déposer à l'hôpital. Pourquoi ta femme ne vous est pas emmenée à l'hôpital? Venez, venez, je vais vous déposer. Qu'est-ce que c'est? Il y a une femme dehors qui vous cherche. Il s'agit de quelle femme? Cette femme n'est pas longue. Elle est courte. Elle n'est pas grosse. Elle n'est pas mince. Elle n'est pas brune. Elle a du teint foncé. Quel est son nom? Kate. Kate. Kate? Oui. Laisse-la entrer. Oui. Madame a dit vous pouvez entrer maintenant. Est-ce Monsieur Zoella? Non, il est parti à l'hôpital. C'est comme ça, madame. Merci. Salut, Mouna. Salut, bienvenue, madame. Merci. Bienvenue. Que pourrais-je vous offrir, madame? Ne t'inquiète pas. Te dérange pas. Es-tu sûre? Je peux vous emmener quelque chose? Non, ne t'inquiète pas. Asseyez-vous, s'il vous plaît, madame. Comment vous avez retrouvé ma maison? J'ai eu l'adresse dans la lettre d'application de ton mari. Oh, je vois. Qu'en est-il de ton mari? Il va bien, vraiment bien. Il est où? Il est dans sa chambre, en train de dormir, depuis ce matin. J'espère que tu jouis de ta nouvelle position. Ah, madame, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Oui, je ferai de mon mieux et tu seras étonnée. Donne-moi juste un tout petit peu de temps. Oui, oui. C'est magnifique. Merci, madame. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton mari? Madame, mon mari voulait me surprendre le jour de l'anniversaire de notre mariage. C'est par là qu'il a perdu ses deux pieds. Waouh! Oui, l'accident a même cassé sa colonne vertébrale. Et j'ai vidé toutes mes économies. Désolée à propos de ça. Désolé. Bien, nous avons prévu qu'il puisse retourner au travail. Et quoi? Oui. Madame, vous ne devrez pas vous déranger. Oh. Oui, vous ne devrez pas vous déranger pour ça. Regarde, mon mari, c'est quelqu'un de jaloux. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Bien, ne vous inquiétez pas pour lui. Quand il ira mieux, je saurai quoi faire pour lui. Mouna? Oui. Est-ce que tu l'aimes toujours? Laissez-moi être honnête avec vous. Oui, le docteur m'a même confirmé que mon mari ne pourra plus jamais marcher de toute sa vie. Peux-tu imaginer? Je suis encore très jeune pour ça. Oui, mais on a dit le vrai amour ne meurt jamais. Oui, mais les obstacles du mariage peuvent tuer l'amour. Cela veut dire que ce n'est pas le vrai amour. Tu vois, le PDG de notre compagnie était au coma plus de 30 ans. Mais son amour ne l'a jamais quitté. Pas même pour un jour. Probablement il est riche. Je suis sûre qu'il est riche. Elle a fait ça pour ça. Je suis sûre qu'elle a fait ça à cause d'argent. Est-ce que tu penses? Mm-hmm.
Oui, pour être honnête avec vous. Je me prépare pour le divorce. Laisse-moi te poser une question. Si tu étais à sa place, penses-tu qu'il devait faire pareil? Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Je dois rentrer. N'oublie pas de dire à ton mari que je t'ai passé. Juste comme ça. D'accord. Merci beaucoup, madame, d'avoir été passée. J'ai apprécié. Merci. Merci, madame. Prenez soin de vous, madame. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci. Au revoir, madame. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Lloyd? Où étais-tu? Où étais-tu depuis hier? J'étais à l'hôpital. Ah, menteur! Tu étais avec ta copine, n'est-ce pas? Mouna, ne commence pas, s'il te plaît. J'ai vraiment mal partout. Je dois dormir. J'en ai besoin. Tu veux dormir où? Laisse-moi te dire une chose. Si tu ne me dis pas où tu as passé la nuit dernière, tu ne vas pas dormir dans cette maison. Tu m'as écouté. Tu ne vas pas dormir dans cette maison. C'est mieux de... Ouvre cette porte! Ouvre la porte! Tu me connais pas, oh. Tu me connais pas. Es-tu prêt de parler ou pas? Tu as bien dormi confortablement. Et tu savais très bien que j'étais dehors sous la fraîcheur. Alors, es-tu maintenant prêt de me dire où tu as passé la nuit et avec qui tu as passé la nuit? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Madame, félicitations, la compagnie t'a acheté une nouvelle voiture. De quoi parles-tu? Une belle voiture est dehors. Ah, dehors? Bonjour, madame. Bonjour, comment vas-tu? Je vais bien, madame. Ceci est pour toi, ta nouvelle voiture. Ah! Merci, merci, madame, merci. Pas seulement moi, tu dois remercier, mais la compagnie aussi. Je dois vraiment leur rencontrer et leur dire merci. Bien sûr, profite de ta nouvelle... Merci, madame, je peux... Ah, ah, merci madame, merci, merci beaucoup. Bébé, pourquoi tu as fermé la porte de la cuisine? J'avais faim et soif et je ne pouvais pas rentrer dans la cuisine parce que tu avais fermé la porte. Pourquoi tu as fait ça? Bien, tu n'auras plus l'accès à rentrer dans ma cuisine jusqu'à ce que tu me dises avec qui tu as couché. Je veux dire, je ne peux pas te nourrir au moment où tu as une autre femme. C'est pas possible. De quoi parles-tu?
Et pourquoi penses-tu que j'ai couché avec une autre femme dehors? Pourquoi tu ne peux pas coucher avec une femme? N'es-tu pas un homme? Es-tu surpris? Oui. Je ne sais même pas pendant que je suis ici à perdre mon temps avec toi quand le tribunal fera ça de ma part. Le tribunal a quoi y voir avec tout ça? Tu le sauras quand le temps sera prévu. Salut. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. Bébé, tu ne peux pas être sérieuse avec ces divorces. Bien sûr, tu sais que je suis sérieuse. D'accord. Pouvons-nous parler au moins de tout ça? Y a rien à parler à propos de ça, Lloyd. En tant qu'une nouvelle manager de Lico Group, j'ai besoin du temps pour me concentrer de ma nouvelle position. Comme tu ne travailles plus à Lico Group, il est temps pour toi de se préparer et de quitter cette maison. Hey Mouna, je ne sais pas comment te le dire, mais je vais juste te plaindre. S'il te plaît. S'il te plaît. Lloyd, écoute-moi. Laisse-moi être clair avec toi. Ce n'est pas le fait de supplier, pleurer ou de se plaindre parce que je ne vais pas changer d'avis. Je ne peux pas être dans le mariage où je n'ai pas la stabilité. D'accord, donne-moi juste un peu du temps. Donne-moi un peu du temps de trouver une maison, un travail. Non. Écoute, tu sais que c'est la maison du compagnon. Comme tu ne travailles plus là-bas, vivre ici, c'est un gros non. Écoute, si tu n'as nulle part où aller, je te conseille d'aller au village. Bonne nuit. Quoi? 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 Es-tu censé me suivre au travail? Ici, c'est mon bureau et non le jardin d'amour. Madame, s'il vous plaît, parlez à ma femme. Quel est le problème? Mouna! Elle veut mettre fin à notre mariage. Quoi? Mouna! Et je l'ai rien fait. Madame, s'il vous plaît, je ne veux pas parler à propos de ça. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît? Madame, je ne veux pas perdre ma femme. Mouna, peux-tu lui donner une seconde chance, s'il te plaît? Non, je ne peux pas. S'il te plaît. Je ne sais pas ce que je peux faire sans toi. Je ne sais pas où aller et je ne sais pas comment survivre. S'il te plaît. Bien. Moi, je pourrais survivre sans toi. Je ne suis plus intéressée. Pourquoi ne peux-tu pas penser comme un homme et me laisser tranquille? Madame, s'il vous plaît, j'ai du travail à faire. Pouvez-vous prendre place? S'il vous plaît?
Je pense que tu dois lui laisser du temps. Elle va peut-être changer d'avis. Patron, bienvenue, monsieur. Salut, hein? Désolé, messieurs. Veux-tu casser ma porte? Comment se fait-il que tu as mis toutes ces choses dehors? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Bien, comme tu peux le voir, on m'a donné cette maison comme étant une nouvelle manager. Alors, je veux recommencer ma vie à zéro. Honnêtement, tout ceci devient sérieux. Où espères-tu que j'aille? Chez ta petite amie. Mouna, si ce n'était pas à cause de toi, je n'allais pas être dans cette condition. Si je suis dans cette condition, c'est à cause de ta tétutesse. Parce que tu as oublié de me rappeler la date de notre mariage. Alors, va au diable! Taïe! Madame! Prends ces choses et jette ça dehors! Jette ça dehors! C'est vraiment drôle que tu puisses oublier tous nos souvenirs. Et je ne veux plus jamais te voir dans cette maison où je te jetterai dehors. Maintenant, prends ces choses et jette ça dans la rue. Maintenant, tu m'as comprise? Ne dis pas à Aïe que Mouna est ma fiancée. Et je ne veux que personne lui dise. D'accord, je vais le faire. Vous êtes un homme bien. Merci. De rien. Que se passe-t-il, madame? Ça, c'est le chemin de la femme pour nous. Je ne comprends pas. La société libanaise a emprunté de l'argent pour construire l'entreprise. Et nous ont poursuivis en justice pour ne pas avoir payé les intérêts convenus sur le NOU pendant 10 ans. Comment la compagnie peut-elle oublier? C'est que les 25% de ce qu'ils avaient pris couvraient le prêt. Ah, je blâme cette compagnie. Comment ils peuvent faire ça? S'il te plaît. Ça, c'est pas le temps de blâmer quelqu'un. S'il te plaît. D'accord. Madame, nous pouvons arranger ça, d'accord? À mon groupe et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Dans nos 4 semaines, je promets, nous allons arranger ça, d'accord? Mouna. Oui. Je ne pense pas que tu pourras. Pourquoi? Mouna, nous parlons de 1 million de dollars qui doit être remboursé dans 3 jours. Quoi? C'est vraiment mauvais à ce point. 1 million de dollars? Oui. Hey! Mon Dieu. La pire des choses est que nous allons mettre toute la propriété de la compagnie et cet immeuble en vente juste pour avoir l'argent. Madame, mais pourquoi tout ceci se passe en ce moment? Pourquoi? Nous devons juste faire face à cette réalité. C'est tout. Appelle-moi la comptable, s'il te plaît. D'accord. Hey! Ok. Wait.
Excusez-moi, madame, j'ai quelque chose à vous dire. Cela peut attendre. Oui, madame, ceci pourrait changer beaucoup de choses. Es-tu malade? Je t'ai dit, cela peut attendre. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Bon après-midi, monsieur. Que fais-tu ici? Je pensais t'avoir dit de me laisser tranquille. Laisse-moi tranquille. C'est fini, c'est fini. Je ne peux plus retourner derrière. Je suis pas là pour toi. Suis venu voir le PDG. Tu ne peux pas le voir. Pourquoi pas? Es-tu malade? Je t'ai dit, tu ne peux pas le voir. Si tu ne veux pas, je vais appeler la sécurité pour te mettre dehors. Tout ce que je te demande est que pourquoi je ne peux pas le voir? Est-elle dedans? Oui. Tu es stupide? Tu m'as pas compris quand je t'ai dit, tu ne peux pas le voir? Toi et Ayomi, elle avait mis de mauvaise humeur qui lui prendra des siècles pour sortir. Sors d'ici avant que j'appelle la sécurité. Dégage! Madame, s'il vous plaît. Dégage! Tu ne sais pas pourquoi tu es ici, n'est-ce pas? Est-ce pas Taé? Taé! Que se passe-t-il? Pourquoi nos choses sont dehors? Ils ont amené la police qui m'ont mis dehors. La police? Quelle police? C'est... Quel soldat? Ce sont les Libanais. Quel Libanais parles-tu? Prendre mes choses, jeter dehors? Donne-moi la clé de la voiture, donne-moi mon téléphone. Qu'est-ce qui se passe ici? Jeter mes choses dehors et ils m'ont même pas appelé. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi, donne-moi mon téléphone. Peux-tu faire vite? Mona, donne-moi les clés de la voiture. Madame, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? N'ai-je pas dit que tout ceci appartient à la compagnie et même la voiture? Et nous avons déjà vendu ça pour rembourser la dette. D'accord, madame, pourrais-je au moins rentrer et prendre la voiture de mon mari? Donne-moi. Et reprends la voiture, maintenant! Mais madame... Maintenant! Cela s'est passé si vite. Hé! Hey, madame, où allons-nous maintenant? Si je te gifle! Mais madame, nous pouvons régler ça ensemble. Excuse-moi, madame. Madame, est-ce que je peux... Madame, s'il vous plaît, excuse-moi. Madame, pouvons-nous... Madame, où allons-nous maintenant? Si tu essaies encore de parler, je vais casser ta tête. C'est fait. Sérieux? Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Très bien. Apporte-nous une bouteille. Ah. N'est-ce pas moi encore? Je te fais confiance. Madame. Mona. Bon après-midi, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Bon après-midi, comment vas-tu? Je ne vais pas bien, madame. Je ne vais pas bien du tout, madame. Depuis ce jour, j'essaie de chercher le travail, mais personne ne veut m'employer. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai utilisé toutes mes économies pour commencer un nouveau business du bijouterie, mais rien n'a marché, madame. Je suis désolée à propos de ça. Juste continue. Peut-être Dieu va écouter tes prières. Hey, madame Kong. Quand est-ce Dieu va écouter mes prières? Madame, s'il vous plaît, pouvez-vous me chercher un travail, s'il vous plaît? Ah, Mona, je ne suis pas sûre que tu vas aimer le genre du travail que j'ai actuellement. L'un de mes collègues est en train de chercher une femme de ménage. Une ménagère? Peux-tu le faire? Je peux tout faire.
Je vais le faire, madame, s'il vous plaît. Mona, je vais le faire. Toi, je vais le faire. Je vais le faire, s'il vous plaît. D'accord. J'ai parlé avec elle. Hey, merci. Si elle accepte, je te tiendrai au courant. Merci, madame. Je suis actuellement en train de... De quel côté vas-tu? Puis-je vous suivre jusqu'au portail? Pas de problème, tu peux venir. Est-ce pas Lloyd? C'est Lloyd. Gare la voiture, s'il te plaît. Gare, c'est Lloyd. Je savais que c'était toi. Oh, waouh, Mona. J'avais tort quand je pensais que tu étais dans une meilleure position. J'avais tort quand je pensais que nous n'aurions pas dû nous séparer. J'ai cru que actuellement tu vivais une vie misérable. Alors, comment te portes-tu? Comme tu peux le voir, je me porte bien. Ou tu me souhaitais du mal? J'ai fait un bon choix et les bonnes choses m'est arrivées. Bien, je prie que les bonnes choses arrivent. Emmène-moi loin d'ici. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Quoi? C'est vraiment joli. Alors, c'est ici l'endroit? Oui, je peux le voir. J'ai hâte de le voir et de commencer ce boulot. Bien sûr, tu vas commencer le travail. Merci beaucoup. Sans toi, mes ennemis devaient déjà se moquer de moi. Hein? C'est vrai, merci. Mona, arrête. Nat! Madame? Prépare déjà ces choses. D'accord, madame. Rentrons à l'intérieur. Mona? Prends place. Sens-toi à l'aise. Cela me surprend parce que ce moteur est encore neuf. Combien de temps tu fais ce travail? Plus de 4 ans. Tout ce que je travaille cette année, je l'utilise pour réparer cette voiture. C'est vraiment triste. Venez. Quelle banque vous utilisez? Mon numéro du compte est 21. Quelle banque? Sources Bank. Quel numéro? 21332. 589. Sources Banco. Je viens de... vous envoyez 10 millions. Oh mon Dieu! Mais merci! Merci beaucoup! Que Dieu vous bénisse, monsieur. Merci. Garde sa mécanique. Ah.
Bon après-midi, madame. Bon après-midi. C'est toi la fille en question? Oui, madame. Prends place. Quel est ton prénom? Mouna. Quoi? Mouna, Mounachi. Mouna. Oh, d'accord. J'espère que Kate t'a tout dit à propos de ce que tu vas travailler ici. Oui, elle m'a tout dit. Madame, je peux même être ton assistante parce que je suis dépassée. Tu es dépassée de quoi? La compagnie que je travaillais n'était pas sérieuse. Ils ont bouleversé tous mes rêves. Explique. Le PDG de la compagnie a emprunté 50% de son capital à un étranger. Comment peuvent-ils être si moins sérieux comme ça? Madame, s'il vous plaît, je ne veux pas vous déranger avec toutes ces informations. Je vois. Peux-tu être dirigé par quelqu'un d'autre? Oui, madame. Oui, madame. Intéressant. Je vais t'augmenter ton salaire. Oui. Tu nettoies? Parce que j'aime pas la saleté. Donc, tu dois être particulièrement une bonne ménagère. Oui, madame. Prépare. Parce que j'aime pas non plus répéter la même nourriture. Et ce qui est très important est que je ne prends que des jus frais. Dans ce cas, il n'y a pas de problème, madame. J'avais une boutique des jus de fruits avant. Oui, avant, donc je peux le faire. Que j'essaye un pour vous faire goûter, si cela ne vous dérange pas. Bien sûr. La cuisine est là-bas. D'accord, madame. Laissez-moi le faire tout de suite. Ok, ma. Mon après-midi, monsieur. Où est Kate? Elle est partie à l'aéroport pour récupérer le colis. Vous avez besoin de quelque chose, monsieur? Non, ça va. Hé, hey, bébé. Salut. Où étais-tu? Je ne faisais que t'appeler. Je suis désolé, bébé. Mon téléphone était complètement déchargé. J'étais au garage avec les mécaniciens. Bébé, prépare-moi un verre d'eau. Je serai bientôt de retour. Je vais le faire. Bébé, la femme ménagère est déjà là. Quoi? La bonne est là, la nouvelle bonne. Oh, d'accord, d'accord. Fais vite. Qu'est-ce que tu as préparé? Le dîner est servi. J'ai fait le maï-maï et le poisson. Oui. Sérieux? Oui. D'accord, madame. Laissez-moi vous apporter votre jus. Qu'est-ce que nous avons pour le dîner? Maï-maï et le poisson. J'ai demandé à la bande de le faire. Ça, c'est vraiment bien. Mais maï-maï et le poisson le soir, ça me dérange. Mais tu peux manger le poisson, bébé. Laisse-moi aller prendre mon médicament, j'arrive. D'accord. Voici le jus de fruits. Merci.
Bonjour, madame. Bonjour, Mouna. Comment vas-tu? Je vais bien, madame. Mouna, le lavandier sera bientôt là. S'il te plaît, n'oublie pas de lui ouvrir la porte. D'accord, mais madame, pourquoi vous n'avez pas pris votre petit déjeuner? Non, je serai bientôt de retour. Au revoir. Madame, vous avez l'air très belle. Merci. J'aime ça. Lloyd! Salut Mouna. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Et tu veux même ta... Le lavandier. Le lavandier! Je savais. Et tu es... Tu es en train de boire le jus de ma madame. Qui t'a envoyé? Je te parle, tu es là debout en me regardant comme un muet. Qui t'a envoyé? Monsieur, tu fais là pour vous voir. Comment vas-tu? Je veux bien. Je n'ai rien à dire, Lloyd. Je viens juste te dire merci pour le nouveau contrat. Je ne m'attendais pas à ce genre de montant. 200 millions. Tu es un homme bon. Tiff, j'aimerais te donner plus de contrats dans le futur. Qu'est-ce que je devais être sans ta compagnie? C'est d'accord, Tiff. Écoute, nous aimerions t'inviter à dîner demain. Plaisir est partagé. Tiff, prenez place, nous allons manger. Waouh! Je reviendrai pour ça après. Je me précipite déjà à partir. Bon travail, Tiff. Bon travail. Merci. Salut, monsieur. Juste vous dire que nous avons déjà conclu et les documents sont prêts. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Kate, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quoi? Je viens juste de voir Lloyd signer le contrat du multimillionnaire Chief. J'espère que c'est pas ce que je pense. Mouna, si tu étais vraiment sage, tu allais déjà comprendre ce qui se passe. Lloyd, c'est le PDG du compagnie Linko Group. Jésus. Hey! Comment ça s'est passé? Comment? Allez, il n'a jamais été pauvre. Tout ceci n'était qu'une scène. Je constate des comportements bizarres avec la femme que j'ai épousée. Elle veut tout avoir elle-même. Je ne suis pas sûr de tout ça jusqu'ici. Je suis toujours en train de penser que vous devriez attendre. Moon. Elle vous aime beaucoup. Il y a 12 ans de cela que je suis dans le mariage toxique. Et mes parents me mettent déjà mal à l'aise. D'accord. Que voulez-vous que je fasse pour vous maintenant? La première des choses, je ne veux pas qu'elle sache que je suis le PDG du groupe Linko. J'ai déjà causé avec mes travailleurs et ils sont déjà prêts à le faire. D'accord. Si c'est ce que vous voulez, pourquoi ne pas obéir à mon patron? Il avait raison. Tu l'as jamais aimé. Je l'aime énormément. J'étais juste frustrée. Longue histoire. As-tu oublié que quand j'étais chez toi, tu m'avais dit que tu voulais le voir mourir? J'étais juste frustrée. Je l'aime beaucoup. Plus de questions. Mais pourquoi tu m'avais pas dit tu es mon ami? Je faisais juste mon travail, Mouna. Excuse-moi. «
Mon amour, je veux que tu regardes droit dans mes yeux. Dis-moi que tu ne vois pas l'amour. Regarde dans mes yeux la femme que tu t'es tombée amoureux. Et regarde la femme de tes rêves. Je suis désolée. Regarde droit dans mes yeux à quel point je t'aime. Excuse me, ma. There's something I want to tell you. That can wait. Excuse me, ma. This will change a lot of things. You deaf. I said that can wait. It's your problem. Good afternoon, sir. And what are you doing here? I thought I asked you to leave me alone. Leave me alone. It's over means it's over. I can never go back to my vomit. But I'm not yet to see you. I'm yet to see the MD. You can't see her. Why not? Are you deaf? I said you cannot see her. Now if you don't get out, I'll call the security to throw you out. All I'm asking is why can't I see her? Is she in the bell? Yes, please. Are you stupid? Didn't you hear me? I said you cannot see her. You and Ayomi, they have put her in a mood. It will take her a century to get out of. Now get out. Get out before I call the security on you. Move! Madam, please. If you... Get out. You don't know why you're here, right? Rubbish. Please. S'il te plaît, donne-moi une seconde chance. Je te promets, je vais changer. Parce que... Je t'aime toujours. Je suis sûre que tu peux sentir cet amour, n'est-ce pas? Tu peux le sentir, n'est-ce pas? Je le sens aussi. Je suis désolée. Je t'aime toujours, Lloyd. Pardonne-moi. Pardonne-moi, je suis désolée. Je t'aime toujours. S'il te plaît, Lloyd. Lloyd. Je pense que mes pieds sont plus gros que le tien, hein? Comme tu vois. Tu as vraiment un gros pied. Oui, je l'ai. Oui, j'aime l'alcool. À la santé. Premièrement, je vous dis merci d'être venu et merci encore d'avoir joué le rôle qui m'a permis d'être en succès. J'ai beaucoup apprécié le fait que vous faites partie de ma vie. Je suis vraiment reconnaissant de tout ce que vous avez fait. Avoir cette famille, c'est vraiment de l'assurance. Je serai toujours reconnaissant pour tout. Merci vraiment. Et j'ajoute encore un grand merci pour l'occasion de la joie et des bonheurs. Patron, patron, tu sais, c'est seulement les mauvais amis qui peuvent te voir souffrir. Merci beaucoup, monsieur, pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je me rappelle encore quand mon père était mort, vous êtes le seul qui m'avait soutenu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous avez quelque chose d'autre à dire? Jésus! Vérifiez vos téléphones.
Oh mon Dieu. Merci, monsieur. L'argent est tellement merci, beaucoup. Monsieur. Merci beaucoup. Nous te disons merci, nous te remercions. Merci, monsieur. Patron, hey! Je sais que tant que je suis autour de vous, j'aurai toujours des surprises agréables. Boss, boss! Merci, monsieur. Merci, monsieur. Patron, merci beaucoup. Merci. Que la joie de l'éternel soit votre partage. Que la longévité, le bonheur, la paix, une longue vie soit votre partage. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen! Tu étais au courant de tout ça? Pourquoi m'as-tu pas dit ça? Pourquoi? Le jour que je voulais te dire, tu m'avais répondu que tu avais des choses très importantes à faire. Hey, il fallait juste me le dire, il fallait juste me le dire. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Tu étais une manager et personne ne pouvait te contredire. Je dois m'en aller maintenant. Au revoir. Lloyd, je suis désolée. Je ne peux plus supporter tout ça. Je suis désolée. Je sais que je t'ai mal fait. J'ai été égoïste, stupide, malsaine. Je sais que j'avais pas un bon comportement. Je sais que je t'ai maltraité. Je suis désolée, Lloyd. Pardonne-moi. Je suis désolée. Je ne peux pas supporter, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'aime toujours. S'il te plaît, Lloyd. Merci beaucoup, Lloyd. Merci. Je te promets que je vais changer à partir de maintenant. Intéressant. Pourquoi tu m'avais pas dit que tu aimais une autre? Je devais te laisser. Pourquoi tu m'as fait tomber amoureuse de toi? Pourquoi? Mon amour, arrête. Arrêtez? Alors, tu l'aimes toujours? Elle est ma femme. Ta femme? Où était-elle quand tu passais des moments difficiles? Où était-elle quand tout le monde t'avait tourné le dos? Où était-elle quand je t'aidais à construire la compagnie? Où était-elle quand tu étais au coma? Est-ce ça l'amour? Mais je sais exactement ce que je veux. Je suis désolé, Moon. Tu es désolé? Très bien alors. Profite. Mais quand elle fera la même chose, ne me mêle pas dedans. Chérie, comment? Bébé, merci. Merci beaucoup. Je te promets, je vais plus refaire la même chose que je t'ai fait. Merci, bébé. Merci. Merci. Bébé, ça, c'est ma valise. C'est ma valise, bébé. Dégage! Sors d'ici! Je ne veux plus te voir! Dégage!
tes choses et dégage ici. Nat! Nat! Madame! Bébé! Bébé! Sois en sorte qu'elle quitte cette parcelle. Oui, madame. Laisse-moi lui supplier, Nat! Nat, attends! Laisse-moi aller prendre mon mari! Laisse-moi aller prendre mon ami, bébé! Laisse-moi, s'il te plaît! Demain, je vais aller prendre mon mari, s'il te plaît! Tout l'honneur te revienne, ma femme. Elle a vraiment pensé qu'elle peut couper le gâteau et l'avoir encore. Quoi? C'est le temps. Le temps de quoi? De faire la bonne chose. Lloyd, écoute, je t'aime, mais je pense que tu dois retourner avec Mouna. Elle a réalisé son erreur. Oui. Tu sais, j'ai comme l'impression que vous deux, vous êtes faites pour l'un et l'autre. De quoi parles-tu? Pour de vrai. Arrête. Quoi? Tu as cru à ça? Tu vois? Maintenant, ajoute et refais-le. Je t'ai eu. Moon. Veux-tu m'épouser? Bien sûr que oui! Oui! Je t'aime, bébé!